Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie Dépêche. Je vous retrouve aujourd'hui avec un unboxing de chez DIY Choose. Ils m'ont proposé de choisir quelques articles dans leur boutique pour un montant d'environ 30$ de mémoire. Donc j'ai choisi des petites choses assez sympas. Donc par rapport à d'autres boutiques, j'ai trouvé que les prix s'alignaient sur certaines boutiques. C'est pas plus cher qu'ailleurs, mais c'est pas non plus moins cher, franchement. Par contre, j'ai refait une commande test chez eux et il semblerait qu'il n'y ait pas de frais de port. Donc ça peut être plutôt pas mal, un bon point. Mais voilà, moi je sais que j'ai fait une petite commande après personnel de 20 euros chez eux et je n'ai pas eu de frais de port à payer. Donc ça par contre, ça peut être pas mal. Certes, les prix peuvent paraître peut-être un tout petit peu plus cher que sur d'autres sites, mais s'il n'y a pas de frais de port, eh ben, c'est plutôt pas mal. Ça peut permettre de faire des petites commandes parce que c'est vrai que sur certains sites, on n'a pas de frais de port à partir de 50 euros. Là, a priori, même pour une petite commande, on pourrait ne pas avoir de frais de port. Donc c'est plutôt chouette. Alors je ne sais pas si j'ai bénéficié d'une promotion ou quoi que ce soit, mais il ne m'a pas semblé. Donc bah, éventuellement, n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Donc moi j'ai pris des petites choses qui me plaisaient beaucoup. Alors il y a une toile que j'avais en vue depuis un moment, que j'avais hésité à prendre ailleurs, mais que du coup bah, je n'avais pas eu l'occasion de prendre. Et vous allez voir, pour les autres, on n'allait pas être plus surpris que ça, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce petit colis? Alors, on a une, deux, trois, quatre toiles, on a un petit objet spécial et on a une boîte. J'avoue que j'en ai profité par rapport au budget qu'ils m'ont donné. J'ai pu prendre une petite boîte. Je me dis que ce serait sympa de tester aussi leur boîte et puis d'avoir une boîte un peu pour pouvoir commencer facilement les projets. J'avoue que les boîtes comme ça, je m'en sers peut-être de plus en plus. Tout ce qui est livré directement en petits sachets zip, je garde les petits sachets zip. Je continue de faire la toile avec les petits sachets zip. Mais pour tout ce qui est maintenant toile en 30 par 40, je vais jamais au-delà avec ces boîtes-là, mais jusqu'en 30 par 30, 30 par 40, je trouve que ça va plutôt pas mal. On arrive à mettre tous les diamants, quitte à faire plusieurs boîtes pour certaines couleurs. Ça fonctionne plutôt pas mal. Ça me permet de pouvoir mettre ma petite fiche à l'intérieur, comme je vous ai montré dans une dernière vidéo. Et puis, ça me permet d'aller un petit peu plus vite, peut-être que moi, me faire aller chaque fois mettre mes petits sachets dans les petits sachets zip. Et depuis que j'ai décidé de ne plus conserver de toute façon les DMC, mais de conserver uniquement les diamants dans un sachet transparent et de me fier à ma vue pour et à la lumière du jour pour faire des rapprochements de couleurs en cas de manquement de diamants dans une couleur ou pour un remplacement. Du coup, bah, je ne m'embête plus à garder les sachets d'origine. Voilà. Donc du coup, bah, maintenant, j'utilise aussi ce genre de petits pilulier. Voilà, je comprends pourquoi certaines apprécient. C'est vrai que c'est un gain de temps. Après, la méthode des sachets zip me va très bien aussi. Donc bah, je fais en fonction. Hein. Les toiles qui sont en sachets zip, il est hors de question que je dézippe le tout. Donc j'utilise les sachets zip. Et puis pour les autres, bah, je peux utiliser ce genre de boîte. Donc du coup, bah, j'en ai pris une petite. Voilà. Alors, il faudra que je redonne un petit coup de cutter parce qu'on a une petite bavure ici, mais elle est qu'à l'extérieur. C'est pas gênant, l'intérieur est nickel parce que des fois on a des bavures à l'intérieur là. C'est un petit peu pénible, il faut passer avec un petit cutter. Voilà, c'est le genre de petite boîte qui s'ouvre. Alors, belle qualité, franchement, elle est bien et elles sont bien alignées. Franchement, belle qualité hein, parce que j'en ai commandé chez AliExpress. Les couvercles qui sont légèrement décalés, vous voyez comme ça là, c'est pas top. Là, ça ferme vraiment bien donc c'est nickel. Je crois qu'ils vendent ça dans les 2 ou 3 euros. C'est vraiment pas non plus très cher. C'est nickel. Vous pouvez rajouter ça à une petite commande. Ça va pas mal. Moi, personnellement, je colle des petites étiquettes dessus. Donc là, il n'y en a pas. Mais je vous montrerai hein, sur mes vidéos si vous voulez comment je fais, quelles étiquettes j'utilise. Donc, je colle une petite étiquette et j'ai fait prendre le papier dessus. Ça me permet de pouvoir les utiliser plein de fois de suite. Elles ferment vraiment bien. C'est nickel. Franchement, impeccable. Voilà pour la petite boîte. Je suis très contente qu'ils me l'aient mise parce que je ne sais pas si c'est forcément intéressant pour eux d'envoyer ce genre de produit sous ton partenariat. Mais visiblement, bah, ça leur a convenu puisqu'ils me l'ont bien envoyé. Bon, il était dans le budget certes, mais ils auraient pu très bien décider de ne pas me l'envoyer. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va regarder en premier? Allez, les petits objets, le petit objet spécial, on finira par les toiles. Donc ça, c'est un petit kit de porte-clés que j'ai vu que j'ai découvert chez eux, que je n'avais jamais vu ailleurs. Depuis, je l'ai croisé ailleurs, mais au moment où j'avais fait ma sélection, je ne l'avais jamais vu ailleurs. Donc direct, j'ai dit « Ok, je le veux ». Surtout que, évidemment, ce sont des oiseaux. Donc forcément, le « Ok, je le veux », il était logique. Ce sont des oiseaux assez naïfs et qui sont très gros. Il y en a quatre. Donc on a celui-ci qui est assez gros. Alors il y a beaucoup de petits diamants, hein, je crois, sur ces oiseaux. Il n'y a pas forcément de gros. On a celui-ci.
On a celui-ci qui est vraiment trop rigolo. Voilà, vraiment très très rigolo. On a celui-ci. Voilà, et celui-ci. Alors concrètement, en porte-clés, je pense qu'ils ont des faiblesses. Hein. Genre ici, je pense que c'est pas hyper solide et que vous allez vite fait de les casser. Là, c'est pareil, je trouve ça un petit peu fragile. Mais pour une petite décoration, parce que je pense qu'en fait, on est très nombreux à les faire et à s'en servir comme décoration plus que comme porte-clés. Voilà, si vous le mettez sur des clés, bah oui, il y a un risque. À part les clés qui sont sur les baies vitrées, choses comme ça que finalement, on n'enlève jamais. C'est vrai que si c'est les clés que vous mettez dans votre poche ou dans votre sac à main, vous avez des chances de les abîmer. Après, si c'est un porte-clés, vous mettez, comme on faisait quand on était ado, le porte-clés sur la fermeture éclair du sac pour être sympa. Là, effectivement, je pense qu'ils devraient résister un petit peu plus. Mais en tout cas, ils sont très très mignons, très sympas. Alors, comme toujours, ils sont imprimés d'un côté et vous voyez le motif en transparence de l'autre côté. On est sur une belle épaisseur de plexiglas, ça c'est très chouette. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Le petit toolkit stylé colle barquette de base, très simple. Ensuite, ils nous ont mis une petite notice. Ils n'ont pas fait semblant pour l'écriture. Vous voyez la taille de mon pouce? Donc, ça c'est la petite. Fiche, le petit guide. Est-ce que c'est autocollant? C'est autocollant. Ah, zut. C'est autocollant. Vous pouvez vous en servir pour les coller sur vos contenants. Alors par contre, il faut des gros contenants. Hein. Après, est-ce qu'on a vraiment besoin de contenants pour ce genre de petit objet? Oui, remarquez, pourquoi pas. Alors, on a donc du coup 15 couleurs quand même. Je ne pensais pas qu'on en aurait autant. On a les petits accessoires, donc on a bien les quatre petits mousquetons et les quatre petites chaînettes. Donc ça c'est nickel, je vais les remettre dans leur mini sachet. Ce serait bien des fois qu'ils nous mettent juste des mini sachets comme ça dans les toolkits. Pas ceux qu'ils mettent sont un petit peu gros, des mini sachets comme ça avec le peu de diamants qui nous reste, ça serait nickel, ça serait moins mou et on perdrait moins de place. Voilà. Et ensuite les diamants. Alors j'ai ceux-là qui sont tout seuls dans le sachet et le reste est des empaquetis comme ça. Alors peut-être qu'il manquait tout simplement les autres qui ont été rajoutés après. Peut-être. Je ne sais pas. Alors on va regarder ce que l'on a. Alors on a une partie en ribambelle et une partie en sachet. Alors on va regarder. Alors les diamants en ribambelle, les strass classiques, on a un rouge grenat très soutenu, on a un très beau bleu turquoise, très beau rose, vous voyez, je vous disais, c'est vraiment des couleurs très girly, un très joli violet, de l'argenté et du doré. Voilà pour les strass, enfin les strass classiques. Ensuite, au niveau des strass spéciaux, nous avons des ronds comme ça. Ah oui, ça c'est ceux qui étaient fournis dans le sachet et ça c'est ce qu'ils nous ont rajouté en plus. Donc j'imagine qu'il y en a plus de 6, des 8. Et du coup, ils rajoutent ça en plus pour qu'on ne manque pas. Où sont les 8? Est-ce que je vais les voir comme ça? 8. Le 8 c'est le 0. Alors, je les vois pas. Ah, ah si, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah oui, effectivement, avec 6, il n'y avait pas assez. Donc oui, il en fallait un sachet de plus. Ensuite, on a ceci, des micro-gouttes violettes. Pour les poser, utilisez un stylet à pointe très très fine. Ça marche nickel. On a des grosses strass argentées. Si je vous mets comme ça, vous verrez mieux. Des demi-perles rouges. Oh, elles sont très très belles. Elles sont couleur plus soutenue, j'ai l'impression, que celles qu'on a d'habitude. Alors, dans les micro-gouttes, on a aussi les roses et les violes et les vertes. On a des petits yeux de chat comme ça. Oh là là, qu'est-ce qui brille? On dirait du cristal Swarovski tellement il brille. Parce que si je vous mets là, vous allez mieux voir. Il brille vraiment vraiment très bien. Non, ça rend pas du tout à la caméra par rapport à ce que ça brille en vrai. On a des larmes comme des gouttes fastées rouges orangées. Et on a quelques petits ronds comme ça, rouges brillants. Très jolis. Voilà, bah écoutez, ça a l'air sympa. Je vous avais dit qu'il y avait peu de strass spéciaux, mais en fait, il y en a quand même pas mal, hein, puisque on n'a que 6 couleurs de strass normaux et le reste, c'est tout en diamants spéciaux.
Alors par contre, là encore, je vois sur la notice pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Le chiffre, le symbole 5 correspond à la couleur 4. Le 2 correspond à la couleur 1. Le 3, enfin, ils ont décalé les couleurs. Et c'est un peu bête. Je vois pas trop l'intérêt quand c'est comme ça. Donc si jamais... Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les codes couleurs. Enfin, les codes qu'on a, enfin, les symboles en gros sur mes contenants, sur mes sachets, faites bien ça hein, parce que c'est vite fait de se faire, de se tromper. Parce que c'est vrai que sur les porte-clés comme ça en général, la couleur 1 correspond au 1, quoi. On réfléchit pas, on ouvre le sachet, le 1, on va le poser sur le 1. Et là, non, pas du tout. Bon, après, vous n'avez pas de couleur 1, mais voilà. Surtout que sur les sachets, c'est écrit 1, c'est pas écrit 2. Donc faites attention si jamais vous recevez ce petit lot de bien regarder la notice. Là, pour le coup, elle n'est pas inutile. Ils ne l'ont pas mis pour rien. Elle a vraiment son utilité. Voilà. Bon, ça, bah, je suis très contente. J'ai trouvé très mignon. Très, très mignon. Alors, j'espère qu'ils vont être aussi craquants une fois réalisés. Hop. Ensuite, on va passer aux toiles. Alors, pour info, ce petit lot de porte-clés, ils le vendent 5,86€ sur le site. Ça va, c'est raisonnable, c'est le prix d'un lot de porte-clés à peu près partout, donc bon, ça va. Et si effectivement c'est frais de port gratuit, je trouve ça très correct. Alors, ensuite, ici, qu'est-ce que nous avons? Alors, normalement, il y a toile partielle, toile en diamant rond, toile en diamant spéciaux. J'ai pris un petit peu de... Ah, ça, c'est une toile partielle. Ah oui, alors celle-ci, quand je l'ai vue, je l'avais trouvée magnifique. Attendez, je vais vous la rouler dans l'autre sens parce que là, on voit pas grand-chose. Quand j'ai vu cette toile, j'ai complètement craqué. C'est vraiment un coup de cœur. Ce bouquet là, frais de fleurs sauvages, je le trouve juste magnifique. Et comme vous pouvez voir à la caméra, il rend très bien. Et là, clairement, je pense pas que la toile complète aurait bien rendu. Parce qu'on a quand même beaucoup de petites fleurs. Là, on a dans les impressions, vous voyez, on a des petits un peu fleurs de chardon. Une fleur d'ail, vous voyez, c'est très très fin. En diamant, ça n'aurait rien rendu à cette taille. Les petites pâquerettes, là, ça n'aurait rien rendu. L'osier, on aurait peut-être réussi à faire peut-être quelque chose. En grande taille, ce bouquet aurait très bien rendu. En petite taille, comme ça, 30 par 40, il n'aurait rien rendu du tout. Donc, c'est vraiment très très bien qu'il l'ait fait en partiel. Parce que du coup, on a les coquelicots à diamanter, les pâquerettes, la camomille, donc du coup c'est vraiment des fleurs ouais ça c'est les coquelicots, donc c'est vraiment des fleurs qui sont faciles en fait à diamanter, voilà l'image de base, vous voyez quand on regarde par rapport à la toile et eh ben on voit qu'ils ont fait les bons choix pour mettre les zones à diamanter et on a quand même pas mal hein, parce qu'on a quand même beaucoup 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 de fleurs hein, à diamanter, c'est vraiment très très chouette, donc c'est une 30 par 40 la colle nickel. On est sur une impression en rond, donc ça c'est tranquille à poser, nickel. On a un petit toolkit style école barquette de base. Et ici nous avons les couleurs. Donc voilà les couleurs, donc forcément des très jolies couleurs vives, vraiment sympathiques. Alors je m'attendais à avoir un jaune plus franc, il est plus orangé, mais une fois posé avec les autres couleurs, peut-être ressortira-t-il un petit peu plus jaune qu'il peut paraître ici. Hein, ces fois, une fois posé avec les autres couleurs, les couleurs deviennent un petit peu différentes. Voilà à peu près les couleurs, ça va vraiment être très joli. Donc on a ces nuances-là pour les coquelicots, on a ces nuances-là pour les pâquerettes, c'est vraiment très joli. Franchement, je pense qu'elle va être super jolie. J'ai hâte de la faire. Alors, c'est vraiment une toile printemps-été, quoi. 100%. Mais alors, ces couleurs, ça vous donne le soleil dans le cœur. Enfin, en tout cas, moi, en tout cas, ça me... Ouf, c'est un vrai bouquet de... un vrai bouquet de soleil. Voilà. Je sais pas si c'est très français dit comme ça, mais en tout cas, je la trouve vraiment très jolie. Elle me plaît beaucoup. Ensuite, et donc, cette toile est vendue 4,18€ sur leur site. Ensuite, j'avoue que j'ai fouiné un peu à droite, à gauche. Ça n'a pas forcément été facile de faire une sélection, parce qu'ils ont quand même pas mal de choses très sympas. Dans les porte-clés, ils ont un choix assez réduit, par contre. Mais pour le reste, ils ont des choix assez sympas. Au début, j'avais choisi de plus gros objets. Puis en fait, quand j'ai vu leur choix de toiles et certaines toiles qu'ils avaient, finalement, je me suis rabattue. J'ai dit, j'ai plutôt prendre des toiles qui me plaisent. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ici comme toile? Ah bah la deuxième partielle, voilà, c'est un coq. Voilà, je trouve cette toile très jolie. Ah, je vous ai pas dit, l'autre toile avait 9 couleurs. Celle-ci, on aura 13. Alors j'avoue que cette toile, ça
Ça fait un moment que je la vois. Je l'ai vue en complète et en partielle. En complète, elle ne me satisfaisait absolument pas parce qu'on a trop de petits détails là, au niveau des fleurs. Ça faisait vraiment trop pixelisé. Le fond, là, comme on a une impression un petit peu comme imprimé, tamponné en peinture, quoi. Du coup, ça vend vraiment rien. Les tiges sont trop fines pour être vraiment jolies en diamant en complète. Par contre, j'avais vu que le coq, juste en diamant, voilà, en partiel, ça rendait très bien. Donc, je me suis dit que j'allais la prendre en partiel parce que moi, j'aime bien les coqs et les poules. Ça reste des oiseaux et puis ça reste un animal que j'ai beaucoup à la maison, en tout cas les poules. Donc, c'était plutôt chouette. Donc, en plus, on approche de Pâques. Donc, c'est vraiment la bonne période pour faire ce genre de modèle. Donc, je la trouve vraiment très sympa. Alors, oui, ça, c'est le genre de petite toile qui va être rapide à faire, hein. Il faut compter peut-être 2 heures pour faire ce genre de petite toile. Mais c'est sympa aussi d'avoir des petits projets comme ça. Et je préfère, voilà, choisir une toile, par exemple ce motif-là qui me plaît, la choisir en 30 par 30 partiel, plutôt qu'en 30 par 30 complète où l'image va pas être totalement satisfaisante, ou en 40 par 40 où là par contre c'est un peu trop parce que 40 par 40 ça prend quand même beaucoup de place après à stocker ou faut afficher et c'est pas le but non plus. Donc je trouve que là le parcelle c'est vraiment un bon compromis. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à pas forcément être fan du parcelle. Moi j'avoue que c'est pour certaines toiles un format qui me plaît énormément. Là ici c'est le cas. Ça colle très très bien. Les symboles sont en carré. Et qu'est-ce que va donner l'application de colle? Eh bien, ça m'a l'air plutôt bien posé, hein. Ça m'a l'air bien posé. J'arrive pas bien à vous faire briller la caméra, mais oui, la colle a l'air bien posée. Donc ça, c'est très chouette. Elle va revenir à plat très vite en plus. Alors, les plus marquées, en fait, comme beaucoup d'étoiles, souvent, elles sont très fortement marquées au bout, puisqu'il n'y a pas les diamants au milieu. Mais vous embêtez pas quand c'est marqué très fort au bout. Si ici, le pli est très fin. Quand vous allez, enfin très très lâche, quand vous allez appuyer votre toile, elle va bien revenir. Ça va rester marqué ici, mais c'est pas gênant vu que vous allez couper les bords par la suite ou vous les agrafer derrière une toile de contreplaqué ou cacher derrière un comment on appelle ça? Un passe-partout, donc c'est pas gênant. En tout cas, je le trouve très beau. Ça, c'était, je vous montre l'image de base. Voilà. Donc vous voyez. Le partiel et lui rend plutôt justice, moi je trouve, à ce coq. Voilà, on a un toolkit stylet colle barquette et les diamants. Nous avons la DMC sur la toile, mais nous ne l'avons pas sur les sachets. Voilà. Au niveau des couleurs, alors on a beaucoup de sachets avec peu de couleurs, hein, forcément, parce qu'on n'a pas énormément à démonter. Cette couleur est très très jolie. Je vous montre un peu les couleurs comme ça. Je ne vais pas non plus ouvrir tous les sachets, sinon on ne va jamais s'en sortir. Voilà, bon, ça va être très très joli, je pense. Très jolie petite toile. Je suis très contente. Ces deux toiles partielles, là, elles sont. Quand on les met ensemble, il n'y a pas du printemps qui arrive là. On ne sent pas le printemps qui arrive. En tout cas, moi, je trouve vraiment magnifique. Ensuite, on va commencer par celle-ci. Voilà, je ne sais pas pourquoi celle-ci et pas l'autre. J'en ai aucune idée de laquelle est laquelle. Alors, j'ai pas ouvert mes sachets pour une fois avant de faire le unboxing. Donc. Eh bien, je galère. Donc, je passe en cours de route. La prochaine fois, je le ferai avant. Ah, ça, c'est la toile en diamants spéciaux. Alors, c'est une série de toiles qu'on voit absolument partout depuis quelques temps, que je trouve absolument magnifique. J'en avais demandé une autre ailleurs. Je ne sais pas si je finirai un jour par la recevoir ou non. Je ne sais pas, je n'ai aucune nouvelle. Mais en tout cas, celle-ci me plaisait énormément. C'est la série des femmes Belle Époque. Ils ont fait toute une série, alors qui est plutôt typée Noël, hein, parce qu'on a quand même pas mal de dames avec de la fausse fourrure, avec des manteaux, voilà, le manteau, on a plusieurs toiles où c'est intitulé carrément Christmas. Donc on est vraiment sur quelque chose de plus, plus hivernal. D'ailleurs là, on a des petits flocons, hein, c'est vos toiles qui sont plus hivernales, mais je la trouvais juste magnifique. Pour avoir regardé les différentes toiles, c'est celle que je trouvais la plus jolie en termes de couleur et en termes de quantité aussi à diamanter, parce qu'il y a beaucoup à diamanter sur cette toile. J'avoue que je préfère avoir des toiles où il y a pas mal à diamanter en diamants spéciaux pour prendre davantage de plaisir à les faire. Donc là, franchement, elle est magnifique. On va avoir toute la jupe ici à diamanter, toute la fourrure, ça va être sublime. Les cheveux, la coiffe. Et puis là, tout le buste de la robe, vous voyez, ce sont des diamants spéciaux à poser. Donc, ça va faire vraiment des motifs sur la robe. On a les bijoux ici. C'est vraiment très, très joli. Alors oui, comme toutes les dames de l'époque, sur les dessins, elles n'ont pas de poitrine. Ça devait être le style de l'époque.
Voilà, en tout cas, elle est vraiment très très belle. Les couleurs sont magnifiques. On a, en tout cas, les toiles, hein, les couleurs imprimées là sont magnifiques, mais quand je vois les diamants à coder, je pense qu'elle va être sublime. On a 14 couleurs et on a la DMC sur la toile. Au niveau de l'application de colle, est-ce que je vais réussir à vous faire briller ça? On a plutôt l'air pas mal. Ce débord colle, donc ça a l'air plutôt pas mal. Ouais, non, ça a l'air bien. Ça a l'air bien posé. La seule, hein, les parties à diamanter sont encollées. On a les petits. Là, on a tous les petits points. Là, seront un diamant à poser. Donc, ça, c'est très, très chouette. On a un toolkit de base, style école, barquette. Et on va regarder ensemble les diamants. C'est vraiment un joyeux mélange. Je pense que ça va être sublime. Alors. Donc, on a presque tout en ribambelle. On a de l'argenté. On a une belle couleur fauve, là, vraiment magnifique. C'est la 2, c'est ce que vous voyez en vert. Ensuite, on a du jaune, comme ça. On a un tout petit peu de vert, comme ça. La couleur 4, elle est où la couleur 4? Je ne la vois même pas. Là, un petit peu. Ah, dans les, pour faire les détails de la fleur dans de la coiffure. On a un marron, un peu grenat. On a du marron ici. On a un gris foncé, gris fumé. On a beaucoup de diamants jaunes AB. Beaucoup, beaucoup de diamants blancs AB. Ce qui veut dire que c'est la couleur 9. La 9, tout le tour. Là, tout le tour de la fourrure sera en diamant AB comme ceci. Et le 8, c'est la croix. Le 8, c'est toutes les croix que vous voyez rouges sur la robe. Ça va être superbe. Ici, on a des petites navettes argentées, AB, des gros strass ronds roses comme ça, des gouttes lisses rouges, elles sont magnifiques. Quelques perles dorées, donc elles ont l'air plutôt belles, hein. Franchement, elles ont plutôt l'air pas mal, ça c'est chouette. Et pour finir, nous avons des micro-gouttes dorées. Voilà, les micro-gouttes sont où d'ailleurs? Le 12, c'est les petits points à. Non, c'est le 12. Le 12, ce sont les mini gouttes comme ça. Et où est-ce qu'elles sont ces mini gouttes sur la toile? Là, c'est pour faire le bijou ici. Et ici. Voilà, il y a deux bijoux. Ah oui, il y en a des bracelets et tout. Voilà, c'est pour faire les deux bijoux ici. Oh, ça va être très très joli, très chouette. Franchement, j'ai hâte de la faire. Je pense qu'elle va très très bien rendre. Il y en a d'autres que je pense que je ferai, mais plus pour cet hiver. Parce que bon, après. Je trouve un peu dommage de faire les toiles de Noël et d'hiver à cette saison. Celle-ci, je trouve qu'elle pouvait encore passer pour la saison, qu'elle pouvait être même assez intemporelle pendant toute l'année. Donc franchement, elle me plaisait vraiment beaucoup et ses couleurs sont vraiment, vraiment superbes. Ouais, moi, ces nuances-là, c'est absolument magnifique. Voilà pour cette toile. Donc celle-là, par contre, elle est vendue un petit peu plus cher. Elle est à 6,70 sur le site. Mais sur les différents sites, ce sont des toiles en diamants spéciaux qui sont un peu plus chères. Alors, je ne sais pas pourquoi. C'est vrai qu'elles paraissent peut-être. Non, elles ne sont pas plus grandes que les autres. Non, je ne sais pas pourquoi. Elles sont un petit peu plus chères. Peut-être parce qu'elles sont. C'est une nouveauté. Je ne sais pas. Mais elles sont à peu près partout pareilles, dans les 6-7 euros, voire un peu plus. Donc, ça a l'air d'être le prix de ces toiles. En tout cas, moi, je la trouve vraiment très, très belle. Dites-moi si vous en avez fait des toiles de cette série avec ces femmes un peu belle époque. Dites-moi si vous en avez choisi, s'il y en a qui vous plaisent. Dites-moi. Et pour finir, on va finir avec la toile en diamant rond. Normalement, c'est une toile complète en diamant rond, si je ne me suis pas trompée. Je ne me suis pas trompée. J'avoue que là, comme ça au déballage, ça fait une sacrée différence par rapport à l'autre. Hein, vous allez voir. Donc, on était sur ça et on passe sur ça niveau couleur. On vous dit que ça fait une sacrée différence. Alors, comme ça, là, elle va vous paraître très chargée. Très, très chargée, tout simplement parce qu'on a une impression en carré avec les symboles dans un rond dessus. Donc, du coup, ça donne vraiment un effet très enfantin et très chargé à cette toile. Alors, cette toile-ci, elle a toute une histoire. À la base, c'est une toile que j'ai commandée sur AliExpress, mais il y a des mois de ça, que j'ai jamais eu. Après, j'ai essayé de la recommander chez un autre vendeur. Pareil, jamais pu la voir. Donc là, quand j'ai vu qu'elle était disponible chez eux,
Eh ben, j'ai craqué direct, je l'ai pris direct. Alors, c'est vraiment une toile que j'aurais aimé avoir à Noël. Parce que, bon, clairement, hein, les petits rouges-gorges comme ça fait vraiment Noël avec la neige derrière, les petites baies avec la neige dessus. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Au moins, je l'aurai, je vais pouvoir la faire parce que c'est vrai que depuis le temps, je voulais vraiment la réaliser parce que je la trouve très très mignonne. Voilà ce que donne l'image à la base. Donc, franchement, au niveau de la projection. De l'image à la toile, on est quand même plutôt pas mal, on a assez de détails. C'est juste, voilà, tous ces symboles qui font que ça fait un peu cafouillis. Encore vous, au retour caméra, vous n'avez pas autant le cafouillis que moi je peux avoir. Parce que regardez, si on rapproche la toile, fouah, voilà, hein. Puis en plus, les couleurs, ils n'ont pas fait semblant dans les contrastes, hein, ils y sont allés franchement. Alors, sur cette toile, donc je suppose que c'est une 30 par 40 aussi, mais alors par contre, les bords sont vachement larges, donc je pense qu'elle doit faire 24. Là, on a bien 3 cm, elle doit faire 24 par 34, quelque chose comme ça. Elle est vraiment pas très large au final. Je la mesurerai une fois terminée. On a 19 couleurs dessus. On a des symboles en chiffres et en lettres. Ça, c'est par contre nickel. Elle colle nickel. La colle est bien posée. On a quoi? 2 mm qui dépassent tout le tour de la toile. Donc ça, c'est cool. On va pas trop se coller après. On n'a pas l'ADMC sur la toile et on n'a pas l'ADMC sur les diamants. Et les diamants, ils sont également d'une belle couleur. Ils n'ont pas fait semblant non plus. On a des très belles couleurs bien vives. Donc ça va être vraiment très plaisant à faire. Alors ça, clairement, ça fait toile d'hiver, mais qui réchauffe le cœur parce que on a vraiment des belles couleurs hivernales, bien peps. Alors peut-être qu'en fait, je suis en train de me dire qu'ils ont peut-être mis des couleurs. Ouais, si c'est ça. On a des couleurs sur la toile qui sont très très proches en fait des couleurs qu'ils ont mis dans les sachets, quoi. Le vert fluo, là, il ressemble vraiment à ce vert fluo là. Donc je pense que le résultat va vraiment être dans cette gamme de couleurs très peps. Donc ça peut être vraiment très très chouette. Moi, je suis très contente. Alors c'est vrai que là, on arrive vraiment au printemps et que la toile avec les fleurs me tente un peu plus que ces rouges-gorges. Mais clairement, je vais quand même les faire parce que j'ai tellement, tellement voulu la faire cet hiver, cette toile-là, sans jamais réussir à mettre la main dessus, que bah du coup, enfin, j'aurais sûrement pu la commander à un prix exorbitant. Voilà, moi je voulais pas payer cette toile 10 ou 15 euros comme j'ai pu la voir ailleurs. Je voulais, voilà, la payer à un prix raisonnable. Là sur le site, elle est à 5,02 €. Donc voilà, si c'est une toile sans frais de port, franchement, je trouve que c'est correct. Donc voilà, je voulais vraiment la faire et bah du coup, je pense que je vais quand même la réaliser. Surtout que bah, là, en plus, j'ai la petite boîte pour préparer une toile, c'est nickel. Je vais pouvoir direct, une fois que j'ai fini cet unboxing, bien référencer les diamants qui vont avec quelle toile et ensuite, hop, pouvoir préparer l'une d'entre elles. Alors j'avoue que j'hésite un peu. Ah, c'est difficile, hein, elles sont toutes très tentantes. Mais peut-être commencer par celle-ci, histoire de vraiment clôturer tout ce qui va être toile avec de la neige. À voir, parce qu'en même temps, les couleurs sont tellement peps, elle peut aussi rafraîchir un petit peu d'ici quelques temps. À voir. Bon, voilà, en attendant, c'était ça, ma petite sélection qui est chez DIY Shoes. Je suis très très contente, je trouve les toiles très belles, belle qualité. Pas déçue, hein. Pas déçue du tout de ma sélection, je les trouve vraiment toutes magnifiques. Alors après, ouais, c'est mes goûts à moi, hein. Je peux concevoir que ça ne plaise pas à tout le monde. Donc on avait le petit rouge-gorge, la demoiselle, le petit coq, le petit bouquet et on avait les petits porte-clés. Donc j'ai quand même pu prendre 5 articles plus la boîte, je crois, pour 30 $. Donc on est quand même sur des tarifs, je trouve, très corrects, hein, même pour quelqu'un qui a un petit budget diamond painting. Eh ben, vous pouvez quand même avoir des petites choses très sympas, très variées, avec un petit budget pour peu d'aller sur les bons sites et de farfouiller un petit peu aussi. Voilà, c'est sûr que bah, ce sont des toiles, hein, les objets spéciaux sont plus chers, ce qui est toujours logique. C'est vrai que bah, les porte-clés coûtent plus cher que bah, la toile complète en rouge-gorge et vont prendre moins de temps à faire, mais après c'est des choix qu'on fait de support. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est très correct par rapport au prix, le nombre d'articles que l'on peut avoir, je trouve ça tip top. N'hésitez pas à aller jeter un oeil si ça vous intéresse ou pas. Enfin voilà, vous êtes libre. Moi j'avoue que j'ai été plutôt agréablement surprise. Je vous dis, j'ai fait une petite commande personnelle du coup aussi sur le site que je vous montrerai bah, quand je l'aurai reçue, parce que pour le moment je ne l'ai pas reçue, elle est en cours de transport. Voilà, j'avais eu une petite envie de me faire un petit plaisir et puis du coup j'avais regardé, j'avais vu que sur chez eux on prend 4 toiles et la cinquième est offerte, quelque chose comme ça. Donc du coup bah, j'en ai profité et puis je vous dis, j'ai une petite commande de 20 € sans frais de port qui devrait arriver, donc c'est plutôt
Chouette. Voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé de ces toiles et puis de ce petit porte-clés. Dites-moi si vous avez déjà testé ce vendeur, si vous avez déjà commandé chez eux, si vous connaissiez, si c'est un vendeur qui vous tente, si vous avez repéré des choses qui vous plaisent chez lui. Dites-moi tout dans les commentaires. Si vous arrivez sur la chaîne, et ben bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Comme d'habitude, dès que je vais réaliser ces toiles, je vous ferai une vidéo avis et réalisation, afin que vous puissiez vous faire un avis également sur le résultat final et voir si elles vous plaisent ou non. Je vous dis à très vite sur la chaîne. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao!